quand François Blais, désormais ministre de l'Éducation, s'est présenté au rectorat durant sa carrière de professeur en sciences politiques, il était en faveur d'un minimum de revenu minimum garanti. Il a défendu à répétition la gratuité scolaire qui permet la mobilité sociale et l'égalité des chances chez toutes et tous dans la population. Il adoptait un ton respectueux envers les étudiants et les étudiantes qui sont aussi des citoyens et des citoyennes. Pourtant, depuis qu'il est devenu ministre, il est méprisant et paternaliste avec les étudiants et les étudiantes. Il soutient tout à coup que la grève étudiante n'existe pas et que, historiquement, elle existe depuis le 12e siècle en Europe et depuis 1958 au Québec. Il suggère que, et appuie la répression politique, nuit à la démocratie, tue le débat public. Il abandonne tous ses idéaux et en moins de 12 mois, il défend les coupes récurrentes dans l'éducation, abandonne l'idée d'un revenu minimum garanti. Il n'y a trop de couleuvres. Il n'y a pas trop de couleuvres qui peuvent manger un ministre. Un ministre qui démissionne, ça n'a jamais tué personne. Un ministre qui démissionne, ça n'a jamais tué personne. Un ministre qui démissionne, ça n'a jamais tué personne. Quatre ministres qui démissionnent, ça jamais tué personne. Cinq ministres qui démissionnent, ça jamais tué personne. C'est pas l'éducation. C'est pas l'éducation qu'il faut couper. C'est les patrons et les banquiers. C'est pas l'éducation qu'il faut couper. C'est les patrons et les banquiers. C'est pas l'éducation qu'il faut couper.